Pour comprendre le rôle attribué à la Purple Team, il suffit d'avoir les idées claires sur la palette des couleurs. Pourquoi ? Parce que l'équipe dite violette n'est rien d'autre que la réunion des Red Team et Blue Team, la rencontre du rouge et du bleu, c'est-à-dire de l'approche technique et de l'approche humaine des audits de sécurité. Pour rappel, la mission première de la Red Team est de réaliser des tests d'intrusion à l'encontre de la structure qui l'emploie, et de proposer des solutions de cyberdéfense sur cette base. Le travail de la Blue Team est de mener des attaques contre les solutions de la Red Team. Ces attaques de précaution mettent en place un cercle vertueux visant le perfectionnement. La Purple Team désigne précisément le résultat final de cette action, en retenant la vertu positive de ces actions complémentaires. Comment devenir Purple Teamer ? Exercer ce métier demande d'être parfaitement à l'aise sur l'ensemble des sujets suivants. La sécurité des systèmes d'exploitation, des réseaux et protocoles, l'ensemble des méthodologies d'audit en prenant bien en compte les normes, standards et principes de gouvernance en vigueur, toutes les techniques relatives aux audits techniques, de sécurité et aux tests d'intrusion, les différents types de vulnérabilités, les principes de reverse engineering ou rétro-ingénierie des systèmes, le panorama complet des techniques d'attaque et d'intrusion les plus courants, et enfin le mécanisme du scripting. Pour devenir Purple Teamer, le Bac plus 5 est un minimum indispensable. L'aspect technique du métier demande des études complètes dans le champ des technologies et de l'informatique, avec une préparation adéquate aux enjeux de la cybersécurité. Notre école Guardia Cybersecurity School propose un bachelor développeur informatique, option cybersécurité, et un MSc expert cybersécurité. La rémunération d'un Purple Teamer diffère en fonction de son lieu de travail et de son expérience. En début de carrière, il touchera en moyenne 3000 euros brut par mois, mais son salaire peut atteindre jusqu'à 5500 euros en fin de carrière. Pour des informations détaillées sur le métier de Purple Teamer, je vous invite à consulter sa fiche métier sur notre guide des métiers de la cybersécurité. Vous y trouverez notamment des conseils de professionnels qui partagent leur expérience.